bien régaté, c'était bonnes conditions, mais malheureusement le classement n'était pas à la hauteur de nos espérances, donc on va essayer de s'améliorer sur les prochaines manches. Oh, il manque un petit peu de réussite, un petit peu de vitesse, et puis voilà, mais je crois que si on travaille bien, ça va être mieux les prochaines courses. Premier, deuxième à la bout de dégagement, et puis en fait, après ces histoires de règles de course où on veut tous les deux pouvoir réussir à passer la bouée un peu au même moment. Et je pense qu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation de la règle. Après, malheureusement, leur bout dehors a été cassé, donc ça les a fortement pénalisés pour l'étape. Ça, on est désolé pour eux parce que ça nous amuse vraiment pas de casser les bateaux. Et on n'est pas là pour ça. Et puis, pour le cas, ça se passera devant le jury. Les places dans les trois premiers sont des places qui sont quand même bonnes à prendre vu le plateau. On est content d'être arrivé ce matin parce qu'au moins on a toute une journée. Là on va aller manger, dormir un peu ce matin et puis ça laisse l'après-midi libre avant de recommencer demain. Enfin une victoire, c'est vrai qu'on est content de gagner parce que c'est difficile, hein. Groupama il laisse pas beaucoup de place, et il est encore revenu et il fait juste derrière nous à cette manche. Mais voilà, c'était un peu un temps méditerranéen, incertain, vent très léger, aléatoire. Donc on a été assez inspiré tactiquement et ça fait plaisir.